Et salut les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion sur le jeu Far Cry 5, un jeu qui m'a été offert par Péline. Et encore une fois, j'ai fait une grosse erreur, ce n'est pas Peggy 12 mais Peggy 18, hein, sachez-le. Et on va repartir pour quelques heures encore peut-être, peut-être jusqu'à minuit, on verra. Ça va dépendre. C'est parti. On enlève le petit bouton et on décolle. On reprend. Alors, on est pourchassé, donc c'est pour ça que je voulais essayer de me barrer et vite. D'ailleurs, on va où? Parce que je sais qu'il y a un groupe qui s'est mis en chasse. Est-ce qu'il y a une nouvelle mission? Il y a une nouvelle mission. Ah non, c'est ce Dr. Sarah Perkins. Celles-ci, elles sont finies, les missions. Ah non. Ça, c'est fait. Arcade, on s'en schtroumpf. Là, on peut chasser du Grizzly, mais on s'en schtroumpf aussi. Là, il y a une mission secondaire. On est où? On est là. Il y a une cage de survivaliste ici. On va aller voir ça, d'accord. Je veux pas qu'on me capture, moi, je suis innocent. Ah. Il y a eu un son comme quoi j'étais chassé. Non. Mais non, mais... Encore. J'en ai tué un, le mec je sais pas comment il a fait pour m'avoir, il a pas sorti son arme, il était à 2-2 squad comme ça. Et ils m'ont eu. Ça c'est de la triche, sincèrement c'est de la triche, dites-le que c'est de la triche. Cinématique. L'un de vous sera fort. Arrêtez. Dégage de là, mon con. Je vois bien que tu souffres. Dieu nous donne et il reprend. Mais tu n'es pas le seul à être testé. Tu savais que j'avais été marié. Elle est belle, n'est-ce pas? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital, et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort, parce que ma petite fille allait s'en sortir. Dieu allait veiller sur notre enfant. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Je l'ai... fixée. Ma petite fille. Sans défense, si innocente. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi. Un minable venu de nulle part, sans le moindre sou. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. Alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule. Et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble. Prié pour être sage. Prié pour être fort. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu avait un projet pour moi. J'ai avancé les doigts pour les placer sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je les serrais. Et après quelques instants, elle a donné des coups de pied encore et encore. Et puis plus rien.
calme, la libération. Dieu nous donne et Dieu nous reprend. Douleur, sacrifice, tout ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. Tu as bien travaillé. Je pense pas que ce soit pour rien quand même. Encore ? Abat les faibles. Abattons les faibles. Je ne suis pas un héros. Parfait. Je suis pas sûr de changer d'arme à changer d'arme à chaque fois. Entraînez, traquez, tuez, sacrifiez. Sacrifie les faibles. On va se faire faire combien de fois cette mission? Ah, sachant qu'on n'avait pas la fois précédente. Bien, bien, bien. Pas mal. En fait, ils font vraiment un lavage de cerveau, quoi. Bah. La caméra qui fait des siennes. Bonne soirée Tintin, encore merci pour ton sub. À la fin des cours pour cette année. Ok monsieur. Fais la bise à ta femme. Bisous à toi. Là monsieur Wolf ou madame Wolf, je sais jamais. Ah bon, mais décidément, je suis gâté, moi, en ce moment. J'ai de la chance. Et on se réveille au milieu de nulle part. Alors, j'ai l'impression qu'on est moins atteint que d'autres gars, quand même. Restez fort, ça c'est fait. Je sais pas si c'est nous qui les avons tués, les autres, ou pas. Par contre. Bonne soirée, monsieur. Et merci beaucoup d'être passé, encore une fois. J'ai l'impression d'être tellement loin de tout là. Ah un, ouais mais c'est un véhicule. Je voulais aller où à la base moi? Je voulais aller là. Maison des Elliott. Ça c'est pour tuer des Gugus. Ça c'est saveur rurale encore. Délimite des choses. George Wilson. Et là on est encore dans la montagne. D'ailleurs on n'était pas dans la montagne la fois précédente aussi. J'ai un doute. Bref, toujours est-il qu'on va faire un déplacement rapide jusqu'ici. Ouais, ça me semble bien ça. Voyageons, mes frères, mes sœurs. Découvrons la lumière.
Le bras qui apparaît après. Coucou, cheeseburger! Tu te reconnais là-haut? Les ours sont vraiment trop mignons. Oui, les ours sont super mignons, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il fait du bruit aussi? Parce que je crois que c'est lui qu'on vient d'entendre. Tartine dans la machine là-haut. Oh, je peux monter. On va aller voir l'ours de plus près. Comment ils s'en est pris plein la figure. Ça ressemble moins à Tartine du coup là d'un coup. Hein. C'est moi. Mais je suis content d'avoir pu monter. La porte descend. Ah, il y avait encore un machin pour... combien j'ai de points aussi? Important de vérifier, j'en ai 3 seulement pour l'instant. Je veux pas débloquer grand chose à part le nombre de munitions pour les pistolets. Et ça, ça pourrait m'être utile, donc je vais quand même le faire. Pourquoi ça veut pas? Ah oui, c'est là. Voilà. On a un quad juste à côté. Il fait de la tyrolienne à poil. Je t'avoue que pour ça, ouais, ça pourrait plus correspondre à Tartine. Je suis pas sûr que Tartine fasse de la tyrolienne à poil, mais... pour l'humour, c'est vrai que ça me fait plus penser à Tartine quand on parle de... Mais la voix des figurines de Cheeseburger me fait vraiment penser... à Tartine. Par contre, l'environnement m'a l'air un peu répétitif comparé à ce qu'on avait précédemment. Mais c'est pas plus mal. Ça dérange pas. J'aime bien. Ah, il y a des gens au-dessus. Bah, est-ce que je lui pose la question, hein? Tartine, si tu es encore quelque part par là, dis-nous. Non, ils sont tous morts! Non. Alors, tu l'as eu ce connard ou pas? Les Elliot Fight the Cult. Qui nous disent... Alors, soit c'est les ennemis qui sont fait dégommer par les gens qui sont à l'intérieur. Juste un gars avec un flingue, c'est pas bien compliqué. Non, apparemment, il est ceux qui les ont eus. Enfin, c'est les Elliot qui ont réussi à dégommer les gens qui étaient ici. Alors... Ordre de la secte, Tanner, Jacob m'a ordonné d'expulser Elliot et sa famille de leur maison, ils nous gênent depuis trop longtemps, pensez à vérifier qu'ils ne sont pas dans leur bunker, tu as carte blanche. Ok, si tu me réponds pas, je vais... t'envoyer des renforts, et ça, j'ai vraiment pas envie. Résiste, prouve que tu existes. Ils sont en dessous. Il y a des renforts qui vont arriver. J'ai quand même envie de visiter la maison, pardon. Mais j'ai l'impression que je peux pas vraiment. Si? Bon, la porte elle a peur de vouloir s'ouvrir. Est-ce qu'éventuellement en passant par devant... Ouais, par devant ça s'ouvre. Note légèrement brûlée. Je sais qu'on avait été prévenu, mais il est trop tard. On pensait pouvoir s'en sortir, mais on n'a jamais aucune idée... on avait aucune idée des ressources que pouvait avoir Jacob. Mais on n'abandonnera pas, c'est noté à grâce à Dieu, et personne, ni le gouvernement, ni l'armée, et sûrement pas un fanatique religieux, ne nous en chassera. Sinon, on en emmènera autant qu'on le peut avec nous. Rien, Elliot. Ok, bonne idée ça. Ça va, ils t'en ont dégommé plus d'un quand même. Hein. Alors le bunker semble faire le tour par ici. Bon, on va essayer d'entrer. Faut vraiment que j'améliore la capacité de mon sac aussi. Alors comment je peux faire pour entrer?
je trouve la clé. Ok. Trouve la clé, trouve la clé, trouve la merveilleuse clé. Grâce à elle, comme la vie est belle. J'ai l'impression qu'ils sont pas à l'intérieur. Alors, est-ce que eux sont morts ou pas? J'en ai pas l'impression, pour l'instant. Là, il y a des munitions, là, il y a une canne à pêche. Couteau de lancer plein. Ouh, la luminosité. Alors là, il y a des barbelés de ce côté-là. J'imagine qu'il y en a aussi de l'autre côté. Ouais. Là. Ah, là, attendez. Là. Je peux grimper ici. J'espère que j'ai pas les trouver morts là-haut. Ça m'embêterait quand même. Ah, ça, je prends. Merci. Ils avaient réussi à aller partout, donc, les mecs, là, en question. BD de collection. Nouvel objet découvert. Ah, là. Par ici, aller voir les toilettes, ok. Parce que là il y a une porte mais je peux pas l'ouvrir, mais j'imagine que je peux faire ça. Et ça. Ce qui descend après dans le bunker peut-être. Ça se prend des munitions supplémentaires. L'écran dont la balle passe à travers. Et il y a tellement de tirs de partout. Ok, les renforts arrivent. Ils sont non. Apparemment les Elliot n'ont pas survécu. Oui, mon sac est plein, c'est un peu embêtant ça. Bah c'est ce qu'on va voir hein. Écoutez. Oups. Oups, rentre, rentre. J'ai peur. Bah oui, c'est le but. Any other volunteers? Oh mon pauvre, ils t'ont tué, ils t'ont fait du mal. Attends, j'arrive. J'ai mis du temps à le remarquer encore une fois. Hop là. On a fait le tour, je pense. On va pouvoir redescendre et aller ouvrir cette porte. Par contre, on avait Mr. Elliot, mais pas Mrs., il me semble. Bon bah, elle était pas là, Mrs. Ça, c'est quoi? C'est plein. C'est plein. Des points de talent. Donc, en explorant, on peut tomber sur des points de talent, dis donc. Pour la bonne cause. Voilà. Ça c'est fait. Ok, bon, bah on repart. Mais du coup, j'ai gagné plein de points de compétences. Je suis à 5. Faut vraiment s'occuper des planques de survivaliste, du coup. Ça c'est quoi? C'est pour la wingsuit. Ça c'est quoi? Donc le chalumeau, ça me tente pas. Mes véhicules, j'arrête pas de changer. Donc au pire, on peut en réparer. De faire la tyrolienne, s'il y a des chances. Ça c'est quoi? Point restant. Il m'en manque. Mais il me faut ce truc là pour augmenter mes capacités. En termes de port d'armes. Et ça aussi. Donc il me faut 2 points de plus. Ceci est une mission accomplie. Ah oui, il a fallu renverser des gens avec nos véhicules. Il y en avait des missions.
Clutch Nixon. Non, Clutch Nixon, c'est encore une autre histoire. Ça, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien avoir une arme avec silencieux quand même, faudrait que je m'en chope une. Là, on a une arme, on a un truc pour Sarah Perkins. On va aller voir la mission annexe qui est ici. Parce que là, non, ça c'est encore le truc du saut pour l'instant, mais j'ai pas la wingsuit. Et si c'est aussi dégueulasse que les fois précédentes, je vais pas utiliser cette action wingsuit. J'hésite, ce véhicule a l'air plus sympathique. Bon, Cheeseburger, tu montes à l'arrière et tu tires, c'est ça? Ou je te laisse le volant? Je pense que je prendrai un personnage avec moi par la suite. Pour qu'il puisse monter avec moi en voiture et peut-être monter à l'arrière même. Désolé, cher monsieur. Ah, c'est bon, tu vas te calmer, toi, là-bas. On se barre. Parce que vous n'avez rien vu, je suis pas là. J'ai dit que j'étais pas là, est-ce qu'il me poursuit? Il me poursuit, le saligot. Remonte en voiture si tu veux, mais bon. Faudrait qu'on s'occupe aussi de la mission des tours radio. Touchez pas à mon ours! Touchez pas à Cheeseburger. Je me demande si le jeu a vraiment une grosse différence entre le mode difficile et ce mode-là. Parce qu'on est en normal là pour jouer. Tartine est toujours là, les enfants, mais il va pas tarder à partir. Il y a plein de travail à faire là. Ah bon? Pas trop après. Plein de boulot à faire. Ils ont bon frein quand même. Oui, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. Je l'ai eu. Je te laisserai pas mourir, camarade. Relève-toi, bonhomme. Merci pour le coup de main. Caribou dans le Grand Nord. Et hop là, c'est parti. On reprend le véhicule et on se tire. Donc on se demandait, Tartine, si tu ferais de la tyrolienne à poil comme Urk. Ou pas. Parce que Urk, en faisant la tyrolienne, il s'est dit, bah j'aimerais bien essayer de la faire ça à poil la prochaine fois. C'est galère, Tartine, je viens de croire. C'est vrai que c'est pas grave que tu passes une journée entière à pas pouvoir faire ce que tu as décidé de faire. Je ne connais que trop bien cette sensation. C'est bon, ils sont tous morts. Tout va bien. Tout va bien. Non, non. J'ai entendu parler de toi. Ah non, j'ai lancé des cailloux, d'accord. C'est des cailloux que j'ai lancé. Je crois que j'avais balancé une patate. Ça c'est bon. Munitions. On fait le plein. J'ai pas fait le plein là. Si c'est bon.
Vendre le butin, ça nous fait combien au total? 1515, je sais pas s'il y a un système de craft particulier en plus ou pas. J'ai 7000 pièces. Ça, je l'avais acheté. Celui-là serait pas mal. 7200, écoute. Il coûte que 7200. Ah, je m'étire. Est-ce que je peux y mettre un silencieux dessus? Parce que ça, je sais pas ce que c'est ça. Je pense que c'est silencieux, lunettes et chargeur supplémentaire. Donc au moins, je sais ce que je vais acheter après. Dieu a intérêt à me garder en vie. Sinon, je m'occuperai de lui. Dans un tronc. Une bonne fracture, ouais. Il y a des grandes chances qu'ils t'en tirent comme ça. Du coup, on va monter ici. Ou alors une fracture du tronc d'arbre. A voir. Je pense que c'est un pari à faire. Oui, oui, j'arrive, je viens t'aider. J'ai un gros problème. J'aurais besoin de ton aide. Quel gros problème? Dis-moi tout. Bien joué! T'as sauvé plein de gens. Merci. Mais moi, je les connais, ces connards. Réglés comme des horloges. Les camions qu'ils envoient pour chercher leur prochaine recrue sont déjà en route. Je vais organiser un comité d'accueil pour quand ils passeront la porte. On va transformer ces camions en feux d'artifice. Ils seront inutilisables. Mais quoi qu'il arrive, ils doivent surtout pas s'enfuir. Mission. À la prochaine phase, merci beaucoup d'être passé. Prends bien soin de toi. Bonne soirée. À savoir que pour demain, en fait, ça va surtout dépendre de si j'arrive, combien de temps ça va me prendre pour encoder ou réencoder toutes les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Ça risque de prendre énormément de temps. Faut qu'on tape près 1h30 pour chaque vidéo. Sachant qu'on est déjà à 8, il va me falloir une bonne nuit complète, voire plus, pour encoder les vidéos actuelles. Donc ça risque de prendre énormément de temps. Tu viens d'où, au fait? Préparer l'embuscade. La police, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer l'embuscade? Comment je fais pour préparer l'embuscade? Il y a rien à faire là en fait. Faut que je pose des mines ou... C'est bon, on les a eus? Ah, cette violence! C'est bon, tout va bien! Demain, il y a Top Chef. On verra ça. Ah, il en reste encore, apparemment. C'était beau, cette cheeseburger. Félicitations. Bon, je crois que j'ai balancé beaucoup d'explosifs, ça a fait quelques dégâts, ça a bousillé la voiture que j'utilisais. Ah non, elle est là-bas, la voiture que j'utilisais. C'est bon, tout va bien. On est bien, là. On verra ça. De quoi? Un cheveu. Donc ça, c'est une nouvelle mission accomplie, mes amis. On y est. Ensuite, il y avait quoi comme mission? Disparaître au combat, sauver les Whittails retenus prisonniers au centre touristique, aider Willy à retrouver les cages de survivalistes, ça serait pas dans les bois. Alors laquelle la plus proche et laquelle la plus loin? Celle-ci serait la plus proche, alors si je comprends bien. Ça nous fait aller où ça? Au moins essayer d'avancer un petit peu dans les quêtes principales. Ouh, c'est pas à côté non plus, effectivement. Et à cette mission, on va essayer de s'en rapprocher. Ah bon. Je sais pas combien je suis en termes de points là. 5 seulement encore. Oh, il va falloir que j'en ai d'autres. J'aurais tellement aimé qu'on puisse remonter cheeseburger à l'arrière du véhicule. Oh, c'est bordel. Pas dégueulasse. Hein.
Ah, je me fais mal. Bah voilà. Oh, en plus. Mais quel quiche, je vous jure. Ah, punaise, j'ai fait n'importe quoi, là. Bonjour, je suis Monsieur Catastrophique. Oh là là, oh là là, et en plus on revient ici, est-ce qu'il y a un truc pour acheter des véhicules? Voilà, pour apprendre ça. J'ai tellement fait de la paille. Faut le vouloir pour le croire. Je vais regarder, mais elles marchent bien les aiguilles hein, quand même sur le véhicule. Lancer la boîte, conduite automatique, klaxonner, lancer l'arme sélectionnée, station suivante, allumer ou éteindre la radio, d'accord. Bonne soirée Aria, bonne nuit, faites beaux rêves. Merci beaucoup d'être resté tout ce temps. Merci beaucoup d'avoir participé et puis à la prochaine. Bon courage pour demain. Bisous. Allez, 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 allez. Ah mais ils me suivent encore les... Oups, il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde. Je suis coincé là. Pitié, j'ai besoin d'aide. Mais il est où Cheeseburger quand on a besoin de lui? Ouais mais il y en a d'autres qui me tirent dessus, il y en a d'autres qui me tirent dessus. Je prends. Sur qui elle tire elle? Là il y a encore un loup. Attaque moi ça Cheeseburger. Allez, va chercher. Ah mon téléviseur qui veut s'éteindre. On va le prendre à revers. Une minute, je descends. Non mais sinon je peux monter moi, hein, tu sais, regarde, hop, je suis là. Cette forêt est un piège mortel. Donc bonjour, vous êtes... Merde, j'ai bien cru que... Enchanté, merde. Merci de m'avoir aidé. Moi c'est... T'as pas eu le temps de terminer, t'as pas eu le temps Qu'est-ce de terminer. Qu'est-ce qui a rendu ces bêtes si fortes? J'aime pas ce bruit. C'est bien ce que je me disais, j'aime pas ce bruit. Ok. Je vous explique. Merde. J'ai bien cru que j'allais y rester. Merci de m'avoir aidé. Au fait, moi c'est Sarah. Sarah Perkins. Enchantée, j'étais Sarah. À la tête d'une équipe chargée d'étudier les loups du parc, mais... Mais on a... Eh bien, on a trouvé ces choses. Ce sont des loups, mais... J'en ai jamais vu de pareil. La secte les appelle des juges. Ils sont plus gros, plus forts et plus résistants que les espèces du coin. La secte a voulu forcer mon équipe à l'aider. Quand on a refusé, elle a lâché ses choses sur nous. Ellie et les Whitetails m'ont sauvé. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer l'ascenseur. J'ai une théorie qui pourrait nous permettre d'utiliser la formule de la secte pour traquer ces créatures. Mais j'ai que des cadavres pour l'étudier. Il me faut un juge vivant. Je sais que je vous demande beaucoup, mais j'ai pas le choix. La secte les dresse dans un vieux camp de vacances, le Breakthrough. Si vous faites ça pour moi, je pourrais concevoir quelque chose pour vous aider à traquer ces bêtes. Je vous rejoindrai au camp quand la voie sera libre. Ok, bah écoute, même si tu m'entends pas, c'est vrai que je te souhaite une bonne soirée. Dans le coin. Faudrait que je rapporte des échantillons. Il y a un truc là-dedans, il y a un truc à lire. Alors, note de journal intime, jour 139. Hier soir, on a été attaqué par une chose. Elle a d'abord chopé Kent et elle l'a traîné Dieu sait où. Bailey s'est fait mordre à la jambe, c'est pas beau à voir. On essaiera d'atteindre un hôpital de la matinée. Dans la matinée, je sais pas ce qui nous a pris pour cible. On aurait dit une sorte de Canis Lupus, mais qui aurait été modifié d'après les marques rouges qu'il avait sur le front. J'ai la quasi-certitude que c'est une mutation générée par l'homme. Mais quelle sorte de composé chimique biologique pourrait-il produire un résultat pareil? J'ai ma théorie, mais il me faudrait de meilleurs échantillons pour la vérifier. Ok, ça c'est bon. Vous connaissez Cerber, le chien des enfers de la mythologie grecque? Ces loups sont du même genre. En bien, bien pire. Ok, c'est rassurant. Faudra qu'on m'explique en quoi ces loups sont particuliers vraiment. Pour moi, ils ressemblent quand même à des loups, à part les taches de sang ou la pointure qu'ils ont sur eux.
ça reste des loups tout à fait normaux. Non? Ils sont juste un peu gros, quoi, c'est tout. J'ai mon 9 mm. J'ai rien à craindre. C'est vrai? Si je te tire dessus, tu as rien à craindre. Alors oui, on va voir. Du coup, je suis toujours à 5. C'est bizarre ce concept, on n'a pas de... Ça, c'est quoi? C'est pas très loin. Chasseur ultime amélioré, moins de composants requis. Ah, j'ai pas eu point de résistance. 600, 600. Provision de Wolf's Den. Tout ce qu'il faut combattre pour le... Non, tout ce qu'il faut pour combattre les fanatiques. Ok, ok, ok. Ouais, s'occuper de ça. Chasseur ultime amélioré. Moins de composants requis. Y avait pas un truc qui ressemble à ça? À part cette patte d'ours, il y avait ça. Bon, c'est roi de la jungle celui-ci. Ok. Allez, à demi-tour, on y va. Aïe. L'homme qui ne savait pas conduire, c'est moi. Par contre, j'ai pas le GPS. Voilà. Mais c'est plus pratique avec un GPS de continuer à rouler. Ça tourne pas droit. Par contre, ce véhicule n'est pas très très efficace en termes de déplacement. Aïe. Ben ça, l'aigle est vraiment dynamique au niveau des déplacements de temps. Ah, encore un hélico. Faudrait vraiment que je prenne du Gus avec moi. La chasseresse, ça pourrait être pas mal. Elle fait quoi la chasseresse d'ailleurs? Les ennemis n'auront du mal à la repérer. Les animaux sauvages la considéreront comme l'une des leurs. Thermoguidage. L'entrequête cherchera les véhicules aériens et terrestres. L'entrequête fera plus de dégâts sur les véhicules. Vous voulez une bombe, il la larguera. Vous voulez une passe de mitraillage. Ouvrez les yeux. Ces tirs de précision effraieront les ennemis. Sa visée laser est plus facile à distinguer. Permet d'exécuter discrètement un ennemi. Permet de rester furtif dans les hautes herbes. Résistance à la plupart des explosions et impacts. Les attaques feront des étincelles. Vous recevrez un appui aérien, un hélicoptère, flingue, plus gros chargeur, égale plus de tirs. Ouais, et nous avons celui-ci, là, combattant. Total de 5 éliminations. C'est vrai qu'il y a juste à faire un moment qu'on l'a pas vu, lui. Bonne soirée, Priscilla. Bonne soirée à toi aussi, merci beaucoup d'être passé. Prends soin de toi, bonne nuit, fais de beaux rêves, et à la prochaine. Ah non, mais il était mort ? Ah ouais, quand même. Ça coûte super cher de les faire réapparaître vite en fait. Ou alors c'est parce qu'il est trop loin, mais je l'ai renversé ou... Je commence à me poser des questions là. Très loin. Ça fait des mois que j'observe ces juges, et franchement, ce qui se passe avec eux, c'est glauque. En gros, Jacob et ses soldats ont injecté à ces pauvres loups une sorte de drogue. Aucune idée de ce que c'est, mais ça les change en machines de guerre. Ok, bon, on va y aller tranquillement. Déjà, on a un Jean ici. Le pire, c'est que la secte a l'air de pouvoir contrôler ces animaux. Ça paraît fou, je sais, mais j'ai vu les juges suivre les ordres des humains. Peur en histoire, c'est que je crois pas que les loups soient les seuls à servir de cobayes.
Est-ce qu'on peut voir d'autres personnes? Tout ce qu'il y a. Ne me regardez pas, je suis innocent. Ils risquent de se repérer entre eux, mais c'est pas grave. J'aime bien ce principe qu'ils puissent s'informer les uns les autres. Ça change pas une intelligence artificielle dégueulasse, mais ça m'arrange que cette intelligence-là soit pas extraordinaire. Ce n'est pas très rassurant ces passages-là. C'est bien de regarder si éventuellement j'ai d'autres personnages qui se baladent. Là c'est juste un loup. Cheeseburger qui va mettre trop de temps à arriver. Est-ce que je peux changer de compagnon? PG, j'arrive. Je me déplace. Je vais essayer de me déplacer jusqu'au bout là-bas. Bon, je pense qu'il y en avait un qui s'est déplacé aussi là dans le coin. Par là. Ils sont partis par là. Si je peux essayer d'une manière ou d'une autre. J'entends encore dans ce coin-là alors que je n'ai pas vu. À part les loups. Je sais même pas si c'est un point de contrôle ou autre ici. Ah, j'ai touché. Ils savent que je suis par là. Je compte sur toi. Oula. Je suis tombé d'un peu haut là. Par où est-ce qu'ils vont tenter de venir? On fait gaffe avec les loups sont là-bas. Elle est pratique, elle est efficace en plus. Que demander de plus? Tu vas tirer vraiment à travers le mur ou... Ou c'est moi qui craque là? Couvrez-moi! Il va rien voir venir! Plus qu'un. Qui est là-haut? Non, les loups, c'est j'arrive bon. Par la tyrolienne. Lequel tyrolienne tout cet endroit me fout les jetons. Elle est là.
t'accompagne, je t'accompagne. Super, vous en avez laissé en vie. On va utiliser l'enclos là-bas, ça devrait le faire. Votre acolyte a la gâchette facile. Il vaudrait peut-être mieux y aller en solo. Ok, ouvrez la porte qu'on puisse commencer. J'ai pas peur, je les aligne tout de suite. Maintenant la meilleure partie. Attirez-en un à l'intérieur. You. Je crois qu'elle leur fait peur. J'ai vu pas mal de juges dans le coin. Attention. Je crois qu'elle leur fait peur. Est-ce qu'on peut la renvoyer? Ok, je suis parti. Elle va disparaître dans une minute, c'est ça? Là-bas. On a eu deux et notre collègue est encore là. Est-ce que je peux la redemander du coup? Ou pas? Le mec qui abuse, hein. Complet. Ouais, t'es là, t'es pas là. Bah en fait. Ah, mais du coup, faut que j'attende. On va se prendre Boomer là. On se calme, j'étais le bestiaux. Je suis sûr que vous y arriveriez, mais vous l'avez fait. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Ça va, t'es bien à l'intérieur, chérie? Alors, faut qu'on parle docteur. Oui, je sais. Tu voudrais me mettre en pièces, hein? Je vais percer tes secrets. T'en fais pas. C'est bon, je peux te parler? Je sais pas comment vous remercier. Avec... Ah, mais... Parfait. Le bug. Alors, je sais pas comment vous remercier. Avec cette bête, j'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser une formule. Tenez. Prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Merci, madame. Une fin de loot terminée. Vous pouvez confectionner de nombreux explosifs et stimulants maintenant pour afficher un... Ok. Donc avec les plantes... qui les ai convaincus. C'est ce que vous avez fait. Les actes valent bien plus que les mots. Les gens se précipitent chez nous pour rejoindre les Whitetails. Vous leur redonnez espoir. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, officier. Un bon moment. Du pain, les... ça fait quoi ça? Vous subissez beaucoup moins de dégâts. Améliore les dégâts de vos attaques au corps à corps pour une durée limitée et augmente votre vitesse pendant un temps limité. Ça c'est quoi? Origan étrangement bon pour les dans les brownies. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. L'alcool, la cause de la solution de beaucoup. Et la solution de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. D'accord. Et ça, je sais pas encore ce que c'est. On verra plus tard, sûrement. Bref, intéressante cette mission. Parce que ça a quand même vachement réduit la quantité de matériaux nécessaires. Nouvelle arme débloquée dans les boutiques. D'accord. Maintenant. Mission. On va s'occuper de ça. C'est pas très 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 loin. Mais j'ai dit par contre il fallait que j'arrête la rediffusion parce qu'il y en a une qui fait 49 minutes. Alors, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo, pour cette rediff. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous et en particulier à Péline pour m'avoir offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestejeux.fr. Et passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, salut !